front commun pour le Congo. Réunis en session extraordinaire, ce jeudi 22 octobre 2020, les chefs de regroupement et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays au lendemain de la cérémonie irrégulière de prestation de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres politiques du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'ils constituent une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un état de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investie en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits d'autre part. Le FCC prend à témoin la population et lui demande de rester mobilisé afin de faire barrage à toute tentative tendant à liquider l'héritage d'un combat commun en vue de l'instauration des institutions démocratiques dans notre pays, combat couronné par la première alternance pacifique du pouvoir. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2020 pour la conférence de président, le rapporteur de séance. Je vous remercie. Les appareils, les amis. Prenez les appareils, le micro. Reprenez le micro, les appareils, le téléphone. Le téléphone. Quelqu'un a oublié son foulard ici. Chef.
l'appel d'un grave. Voilà. La France.